Vous voyez, Vlan, c'est un cheval qui a un dos très long. Donc c'est très dur pour lui de se plier dedans, de faire une belle flexion de dos. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais pas du tout prévu de filmer aujourd'hui, mais pour tout vous dire, j'ai ressorti ma première vidéo depuis un mois dimanche, c'est-à-dire hier, et depuis je suis toute excitée. J'ai refilmé hier, du coup, donc j'avais filmé cette vidéo là il y a 4 jours. J'ai refilmé hier et j'ai envie de refilmer aujourd'hui. En fait, c'est surtout que j'ai pas tant envie de filmer, c'est surtout que là je prends tellement mon temps avec Vlan, j'ai le temps, les examens sont terminés. Je peux prendre le temps de faire tout ce que je veux avec lui et tout. Et du coup, en même temps, je me dis, ah bah tiens, je pourrais filmer, ça va peut-être être cool, tu vois. Donc là, aujourd'hui, le programme, ça va être de lui faire une petite longe parce qu'hier, j'ai fait un énorme trotting qui était trop bien. On a sauté aussi un petit peu et tout, que je vous ai mis sur YouTube, vous l'avez vu normalement, sinon il apparaît ici. Et là, je suis arrivée et j'avais réservé le rond de longe pour 15h et j'étais un petit peu en retard parce qu'il y avait la queue de fou à la poste et j'ai envoyé un petit cadeau à une amie pour son anniversaire, voilà. Du coup, je suis allée chercher Vlan direct dans son paddock. J'ai mis son filet comme ça, alors qu'il est encore un petit peu sale, mais c'est pas dérangeant parce que c'est pas sale au niveau de où le filet passe, donc c'est pas grave. Et on va faire une petite longe. Ensuite, on va prendre soin de lui, faire des massages et tout ça. C'est parti. Donc aujourd'hui, on va être vraiment sur de la bébé longe. L'objectif, c'est juste de lui faire bouger sur ses petites courbatures hypothétiquement d'hier. Et que voilà, qu'il se défoule un peu, qu'il puisse bouger et tout. J'ai quand même mis le filet palicole parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas longé. Donc pour qu'il soit quand même bien attentif à ce que je lui demande, respectueux, etc. Je vous ai calé dans ma veste. Je sais pas si ça va faire des plans potables. On va voir. Parce que c'est vraiment très dur de longer à une seule main. Non, voilà. Et là, j'ai envie de m'appliquer sur la longe. Surtout que là, je suis en filet. Donc, je veux vraiment avoir des actions précises de main. Et en même temps, j'ai envie de vous montrer de l'intérieur. Je mets la longe en colbert. Je trouve que c'est plus doux. Hop, doute, marche, allez marche, et avance, je crois que c'est fini, on a fait qu'une seule main, ouais, la symétrie elle est où là? Alors est-ce que vous voyez le cheval? Eh ben il y a l'air que oui, hein. Là il y a mes mains, bon, vous n'allez pas les voir, mais c'est pas le plus important. Vous avez vu comme il a regrossi, je trouve
trop contente. Il est trop beau. Vlan, traté. Très bien. Le problème de Vlan, c'est que souvent il fait des bons départs dans les transitions ascendantes et qu'après il se relâche. Il fait trois foulées très bien, puis après, pouf, t'as vu, j'ai fait ma transition. Donc il faut que. C'est de ma faute, c'est parce que je suis pas assez. Je suis pas assez demandeuse pour après. Allez, on va refaire un petit travail de cercle. Viens ici, descends doucement, descends. Ok, très bien ça. Très bien. Allez, on pousse, on pousse. Ça c'est dur pour eux. Ça c'est dur. On pousse. Jean, trotté. Super. Très bien. Vous voyez, comme je vous disais, je suis enfilée, ce qui fait que. Allez. Si je veux, je peux avoir des actions plus dures qu'en licol, évidemment, mais maintenant j'ai pas très tendu quoi. Donc c'est occasionnel. Tu viens? Viens ici. Raccourci. On pousse. On pousse. C'est bien. Et postérieur, interne, qui s'engage sous la masse. Ça c'est du boulot pour eux. Allez, c'est très bien ça. Très bien. Allonge. Super. Allez, allez, hop. Garde l'allongement. Très bien. Et doux, trottez doux. Super ça. Très bien. Descends. Oui. Oui, très bien. Et au pas. Très bien. Oh. Oui. Et marcher. Non, marcher. Super. Allez, on va laisser récupérer deux petits tours au pas, tranquille. Et après, on va travailler un peu le galop. Alors, l'objectif sur cette longe, je vous ai dit, c'est de la récup. Donc, c'est pas du tout de travailler le galop. Parce que galop, c'est assez difficile pour lui en cercle, là, comme vous pouvez le voir. Quoique, il commence à retrouver un peu de mobilité dans le dos, là. Donc, ça va mieux, mais ça reste quand même difficile. Donc, le but, c'est pas de l'embêter avec ça. C'est juste d'en faire un tout petit peu pour dire de pouvoir renforcer positivement, de lui demander vraiment du bon galop et pas longtemps et tout de suite après de le récompenser. Donc voilà, je vais lui demander 2 à 3 départs avec un tour plus ou moins max, s'il me le fait bien, ce sera suffisant. Juste pour vous dire, t'as vu, quand on galope, c'est pas forcément super long, super chiant et tout. Ça peut être juste un tour très bien et basta. Blanc, trotté. Ok, là, donc je fais des parcs à la voix et il est parti avec un peu de temps, donc je vais retravailler ça avant de galoper. Hoppa. Très bien. Hoppa. Et trotter. Super. Ici, là. Il ose. Hop. Allonge. C'est très bien. Encore. Allez. Allez, voilà. On monte un peu l'énergie. Allez. Puis on emmagasine doucement. Et ensuite, galop. Galop. Oui, super. Quand il part sans que j'ai besoin de la chambrière, je suis contente. Allez, allez. C'est dur, c'est dur. On met un peu d'impulsion. Allez, allonge. Voilà. Je préfère qu'il fasse un peu le débile, mais qu'il galope vraiment. Pas trop. Plutôt que qu'il fasse un galop de chèvre, là. Descends. Très bien. Puis je l'embête pas dans son attitude de galop, surtout. Hein. Je veux juste qu'il galope. C'est déjà bien. Vlan. Galop. Ouais, là j'ai lâché ma main droite. Allez, parce que je préfère ne pas tirer dans sa bouche, le laisser s'exprimer. Allonge. Allez,
Eh bien, eh bien. Très bien ça. Au trot. Descends. Travaille au trot quand même. Oui. Oui. Et au pas. Très bien. Vous voyez, Vlan, c'est un cheval qui a un dos très long. Donc c'est très dur pour lui de se plier dedans, de faire une belle flexion de dos. Tout ce qui est engagement et tout ça, c'est très dur. Sur les allures sautées. Au pas, il a un très bon engagement. Hop. Mais alors, pour le reste, il travaille. Vlan, trotter. Très bien ça. Il n'y avait pas d'attitude, mais il y avait l'énergie. Pas tout à voir, hein. Et vu que je l'ai encouragé, peut-être qu'après il y aura les deux. Au pas. Très bien. Et trotter. Et voilà. Super ça. Vlan, tu le sais. Tu le sais. Vlan. Galop. Allez. Allez, on galope. Allez. Allez, je veux un tour de beau galop. Allonge. Oui, ça. Bien. Et au trot. Et descend. C'est très bien. Descend. Très bien. Et là, petit trot. Très bien. Là, on n'a plus d'engagement, plus rien, mais on s'en fout. On veut juste un peu de récupération active. Enfin, ce serait mieux avec de l'engagement, évidemment, mais... Très bien, ça. Et hoppa. Super. Là, tout ce qu'il veut, c'est se rouler. Donc, on va lui permettre, ce sera sa meilleure récompense. C'est bien mon doudou. Super. C'est longtemps qu'on n'avait pas longé, hein. Fatigant quand même, hein. Mais t'es en forme en ce moment. Je vais poser tout ce bordel là. Non, attends-moi. Non, 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 tu attends. Je retire le filet d'abord. On va mettre du sable partout dessus quand même. Et là, je dis, oh, mais depuis le début, t'avais des carottes dans ta poche. Mais non. Incroyable. Couchez tête. Allez, vas-y. Si t'en veux une autre, tu peux te coucher. Couchez. Bon allez, là je vais lui laisser son petit moment tout seul, juste je sors, comme ça il est vraiment sûr que je lui demande rien, et il fait vraiment juste ce qu'il a envie sans faire attention à moi. Et d'ailleurs je me rends compte que là on est à 14 minutes sur ce rush, le premier on était à 12h30, du coup je me dis que j'ai dû faire une longe à peu près symétrique entre mes deux mains, donc c'est cool.
Bon, bah je crois qu'il est temps de rentrer. Regardez ce qui l'attendait. Non, tu attends. Non. Ok, tu peux y aller. Il est tout seul, purée. Bon, petit match pour Vlan. D'habitude, je lui donnais avant les séances, mais là, je vous avais dit, j'étais un petit peu en retard. Donc, il l'a eu après. C'est pas grave, ça fait la récompense. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je ne vous fais pas très souvent des vidéos de longe. Je vous avais demandé sur Instagram si vous vouliez que je vous laisse le morceau où je filme de l'intérieur et où je vous commente tout en direct et vous avez été une écrasante majorité, je crois 95%, à vouloir que je vous la laisse. Du coup voilà, je sais que l'image n'était pas très très stable, mais on fait avec les moyens du bord. J'espère que la vidéo vous aura plu. Cette journée avec Vin était loin d'être terminée parce qu'après je suis partie sur un gros gros massage pour ses courbatures du cou de toute la ligne du dessus, encolure, dos et croupe. Et je vous ai encore une fois demandé sur Instagram si vous vouliez avoir une vidéo avec la séance entière et vous m'avez répondu que oui à 97%. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo du massage avec quelques explications et quelques commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!